Le Devolver Max Pass Premium Purchase. Premium Bullshit, oui. Ah, ça y est, on a les jeux. Présentation des jeux. Bienvenue, installez-vous. C'est la conférence Devolver. En noir et blanc déjà. La conférence, elle fait une demi-heure. Bon, il y a une petite présentation avant 10 minutes. Ça va bien durer 20 minutes normalement. C'est pas trop en retard. Alors, Devolver, ils ont fait pas mal de jeux comme Ape Out, Fall Guys, Katana Zero. Trek to Yumi. 2022 PS5 Xbox XS PC. Phantom Abyss is an asynchronous multiplayer experience. Ok. J'ai atteint this temple before on fade. Ah, un roguelite. Ah, sympa. Alors, on a un fouet. Ah, ça va être à la Legend of Legends, ça. Ah, c'est avec un roguelite aventure, donjon et piège énigme. Ah, c'est cool. Ah, c'est trop une bonne idée, ça. Bah, tout de suite, on pensait à Jenna Jones, mais... Intéressant. Bah, moi, j'aime bien. La petite ref... Ah oui, non, mais il y a des refs à Indiana Jones. Hein. Phantom Abyss. Steam Early Access le 22 juin. 22 juin. Fashionable. Now that's a phrase. A phrase that Andrew Rosales. Marketing. An exclusive state of being, if you will, to which only the most adroitly premium amongst us could ever truly endeavor to gain entry. Until now. No, 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 no. That's this. Encore, le dog. I'm snapping, damn it! Being fashionable is a natural extension of the Devolver Max Pass Plus premium purchase experience. Brought from us to you by Devolver's own central textile manufacturing and weaponized branding entity subgroups, we would like to present to you our newest collection of exclusive garmentry only available to the Devolver Max. Qu'est-ce que c'est que cette présentation? Mais c'est vrai que c'est des fous furieux un peu Devolver, enfin gentils, mais. Ah, Devolver Maximum Premium Pass. Parce qu'ils se foutent de la gueule de tous ceux qui ont sorti un peu leur abonnement en fait. Avec le Devolver Max Pass là. Ils ont bien raison. Parce qu'on a Ubisoft, Origin. On a le Game Pass, tout ça. Ça fait un peu beaucoup maintenant. Il y a le EA Play. Premium purchase, not at all in the subscription fee you may or may not, but maybe paying. Fashionable. Maybe pay. Peut-être payé. Now, let's take a deep breath and take a peek at these two premium purchase products that'll be available to you soon. The adoring Devolver Max Pass Plus Survivor. Subscriber. Subscribe. Ils sont vraiment craqués là-dessus. Après, je voulais parler de Katana Zero, mais ils ont fait aussi pas mal d'autres jeux comme Broforce, notamment dans les premiers jeux que j'ai connus. Et les tout premiers, c'est Broforce et Hotline Miami. Je sais pas si vous les avez fait, mais il y a la trilogie qui est disponible. Hotline Miami est pas trop cher. Après, ils avaient fait Katana Zero, je l'ai dit, Ape Out,
The Messenger. Ça fait pas mal de jeux. Je les ai pas tous faits, mais j'aime bien le studio. J'aime bien leur style en fait. Leurs jeux sont vraiment décalés. Ils ont pas une approche assez lisse de faire des jeux qui ressemblent à d'autres jeux. C'est vraiment un style à part à chaque jeu. Wizard with a gun. Un sorcier avec un flingue. Multiplayer sur. Oh, c'est beau! Multiplayer survie. Dans le style de carte, comme ça, ça me fait penser à Hades. Ok, on pourra évoluer. On aura des niveaux, on pourra jouer ensemble. Oh, Switch et PC en 2022. On attend 2022, hein, décidément. Devolver Maxi Pass Premium Purchase. Et là, c'est tout à fait un autre style. Bon, c'est vu aussi de haut, mais le style graphique est vraiment différent. Des graphismes est vraiment différent. La musique est sympa. J'aime bien la musique, là. Ah, ça me fait penser un peu à The Last Campfire, un peu. C'est vraiment le style d'univers qu'on aime bien découvrir, qui sont assez sympas, qu'on comprend pas au début, qu'on apprend à connaître après, et on s'attache. Ah. Lui, c'est le fossoyeur de tombe. C'est joli, hein. Ah, j'adore le style. Comme ça, franchement, Devolver Digital, on regarde un peu le jeu, on regarde le gameplay, on a un coup de cœur sur un jeu, quoi. On peut pas aimer tous les jeux du studio, parce qu'on a chacun nos affinités, mais... Oh, le style! Là, déjà, il y a deux jeux intéressants. Faut pas oublier que Devolver, c'est un studio indépendant. Et maintenant, il commence à produire des jeux aussi. Death Tour. Xbox One, série XS, Steam. Le 20 juillet. Tarde pas trop hein, pour les sorties. Hein. 1975, Devolver Digital and the many incredible developers we've partnered with have produced what can only be tous les objets en or, là. Et là, en fait, il y a tout un fil rouge avec le Max Purchase Devolver Pass. Je pense que c'est vraiment du troll, du foutage de gueule par rapport à tous les abonnements qui existent maintenant, quoi. Et subscribe. Parce que celles le font jamais, parce qu'après ils pratiquent pas des prix de ouf sur leurs jeux, donc leurs jeux sont vraiment pas chers. C'est vraiment en dessous de 30 euros le jeu, quoi. Elles sont bien délirées. Wet your pants with savings. Oh mon dieu. Mouillez votre pantalon. Vous êtes prêts. Devolver Pass. Premium purchase. Premium purchase. Comes an inky black card. Ah, jeu de cartes et jeu de plateau.
Vous voyez, le style à chaque jeu est vraiment différent. Stunt Beast. Take your turn. Ouais, donc là... Là, j'accroche moins. Là, déjà, je sais que c'est pas un jeu que je testerai ou que je prendrai. Par contre, les deux jeux d'avant, j'ai bien kiffé voir les images et voir le style des jeux. Ah, les sacrifices doivent être faits. Je pense qu'il y a des... What? Inscription. Inception en 2021. Daniel Mullins Games et Devolver Digital. Devolver Max Pass. Ils ont vraiment craqué sur ce fil rouge. Hey kid, do you love video games? I'm a grown man. What are you doing in my bathroom? Do you love video games? Si vous faites dans ma salle de bain. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Oui. Not at all, no. What if you could play a game for free, but then later we charge you for cool stuff and make you watch ads for minimal benefit to you, the consumer? Est-ce que vous voulez jouer au jeu pour... gratuitement? Devoir Tumble... Tumble Time sur téléphone, ils ont fait un jeu. Ils ont fait un jeu, une application sur mobile. Ils ont craqué. Ah oui, donc on a plusieurs personnages qu'on peut collectionner. Le but du jeu, ça va être quoi? Ah, App Store et Google Play, ok. En 2021. Physics-based puzzle gameplay, elegant monetization and strategic brand integration. Qu'est-ce qu'ils ont avec les hot dogs là? Ils sont tous en train de bouffer des hot dogs depuis le début de la conférence. We mentioned that it's free, right? Because it's free. Except for the ads part, where there are ads, because of course there are ads. Il y en avait plus dans le micro-ondes là. Get hype and unleash each ouais, bah, y a un trou dans le mur. And clear chunks by creating and activating chaotic GDX. C'est un problème. Ils ont fait un partenariat. Pre-register for Devolver Tumble Time on the App Store and Google Play by visiting devolvertumbletime.com. Whoop, hey! Nina. C'est dégueulasse. Il bouffait que ça pendant les développements. Oh hey. Let's talk about subscriptions for a moment. Laissez-moi parler de l'inscription. The subscription service is an instrument of monetization from days gone, when your grandparents wanted to try a new cheese each month and your uncle wanted to look at photos of naked ladies from the comfort of his own tool shed. A relic. An unwieldy physical beast that we have haphazardly let slip into the digital world, leaving us with Qu'est-ce que c'est que cette conférence? And zeros to stand in for our stinky dairy product. Chaque année, ils font pas ça, mais ils font... Ils partent dans des délires différents, quoi. Turn subscription-based addiction back to its more tangible roots, with a premium purchase title available only in this. Bouffer. Donc déjà va bouffer son troisième. Demande Turtle Demon sur Switch. By developer Doinksoft, the creators of Gato Roboto, is coming to the Nintendo Switch as a physical box set and only a physical box set through our good friends at Special Reserve Games. Oh, you heard me right. Demon Throttle will not. I repeat, will not. Be available in any digital format and is only available for you to purchase as a retail product. Ah, moi ça me fait délire, ça me fait triper. Ils ont vraiment fait une conférence qui n'est pas comme les autres, quoi. Today. Check a look. Premium purchase. Attends, qu'ils
Elle a annoncé, je crois que c'était pour rigoler, mais je pense que ouais, Demon Trottel, non? Or something. Ce démon a embrassé ma femme ou quelque chose comme ça. What? C'est en 4 tiers. Il y a du coop local. On peut jouer à 2. Oh, c'est du pur pixel art et jeu à l'ancienne. What? Oh, ça fait trop bizarre. Ça fait vraiment, on a vraiment l'impression de voir un vieux jeu. Vanquished. Demon Bottle. Il est que sur Switch, d'accord. Ah, c'est, je pense que c'est la fin de la conférence. Je vous ai passé tout le début en fait, où ils partent un peu en couille, puis ça parle bien en anglais assez vite. J'ai pas les sous-titres, ça part un peu en vrai. J'espère que ça vous a plu de suivre ça avec moi. Je crois que ça va durer une petite vingtaine de minutes. Mais là, tous les gens que vous voyez, c'est pas des acteurs. Il me semble qu'ils font partie des vraies équipes du jeu, du studio, Devolver. C'est trop kiffant de voir des conférences comme ça où ils se prennent pas au sérieux. Okay, and since there's only one and the buyer keeps it, and a little tab on the inside so you can't copy it, it is non-fuckwithable. Et là, j'arrive pas à traduire, donc vous aurez pas la traduction, mais je sais pas comment la présentation des jeux, ça vous a donné envie de découvrir plus de jeux indépendants, parce que moi j'adore les jeux indés. Je fais pas mal de bonnes découvertes, surtout avec eux. Après, il y a d'autres studios comme Annapurna, c'est pas mal aussi. Il y a plein de jeux de studios indés, il y en a partout. C'est vraiment, vraiment les jeux où on a les directeurs artistiques et scénaristes et ceux qui ont développé, les développeurs de jeux qui sont partis pour développer les jeux qu'ils voulaient développer. Et des nouveaux aussi, bien sûr. Et ça donne des jeux comme Gris, comme les jeux de Devolver aussi. Hein. Les Hotline Miami. Ça donne envie. Enfin, il y a des jeux comme Dead Cells, Hades, enfin... Il y a plein de jeux indés, c'est... Pfff. Il y a eu Rocket League. Il me semble que Psyonix était indé aussi, si je dis pas de conneries. No Man's Sky. Bon, j'espère que ça vous a plu. Tout ça, c'était un rêve. Elle s'est fait vacciner. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, partager, mettre des pouces dans tous les sens. Donc voilà, c'était la conférence Devolver, vous aurez ça sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à laisser à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt, ciao ciao, et merci à ceux qui étaient là, et à ceux qui visionnent. Et à la prochaine pour plus de conférences, de news et de jeux.